So, Brother Bertin, so, long story, I'll cut it short. Because the way I've met Brother Bertin is one of those meetings you meet once and they last for forever. We were to spend or share the room in Krefeld. That's when I met the brother for the first time. And while we were talking, I introduced myself. And the brother said, oh, there is a sister that we met who prayed with you in the same church. And then later on, I saw the sister say, no. She used to pray with us. She doesn't pray with us anymore. Then when I explained to him the reason, he just regretted because it's years ago. To cut the story short, then we knew each other. And when we started talking, I came to realize, wow. So this brother believed exactly what I believe. And from that time, the connection was made and we started keeping in touch. And last year, when we went to the wedding in America, it was in Brother Bertin's assembly where we had to pray for one sister who later on that afternoon passed. And some of you did contribute so that we could also assist our brethren in America for the burial of that sister. So that is the brother where he is the pastor there. And he does work in the same church with Brother Seka. For some who knows Brother Seka, so they work together in that assembly. And this is the brother also whom I mentioned to you. On Sunday, every day Sunday, before we go to church, he does have a morning service in his own house. So that one was a little bit beyond my understanding because I've never seen somebody with two services on Sunday. So before we go to the actual main service, there is a church service on Sunday morning. They sit around the table. You then preach for 15 minutes. And later on, the brother explained it helps for people to get ready on time so that they can all go to church and on time. And when we were traveling back, brother, the three of us in the aeroplane, we were just amazed. And you know when God does something and it is in you, brother, we thank God for that. If you and I, we want to try, it may work, it might not work, but when something good is done, we thank God for that. Amen. And the brother who lives in Atlanta, the assembly is exactly like our church. When I went there, really, I felt at home. And last night, we had like a four test of the meetings, and we spent good time in Brother John's house, because currently he's sleeping at Brother John, where he would spend a few days. So he will be with us today, Tuesday, and Wednesday, then from Thursday, head to Newcastle. Please let us invite where we can for Tuesday and Wednesday. After our first meeting, the brother will go straight to Nottingham where we preach. And then after that, he will come back to Leicester where we can have a late afternoon fellowship. So Brother Bertin, feel at home. So when you finish preaching next week Sunday in London, Monday go straight to Brussels where he will take his flight all the way to Congo, where he will meet Pastor Mwamba, Pastor Kazadi, and all the churches. So in advance, we are already sending our greetings as well. So may the Lord bless you. Please feel free. I will translate the brother. It feels much comfortable to preach in French, so I will do the translation to assist. And may the Lord bless us once more. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Je remercie le Seigneur. I thank the Lord qui m'a donné cette opportunité. Who has given me this opportunity de venir devant vous. To come before you, les enfants de Dieu, the children of God, pour partager la parole de Dieu. To share God's word. Je ne suis qu'un serviteur inutile. I am only a useless servant. Et je me sens trop petit. And I feel so little. Mais je reçois la charge. But I received the commission et l'appel and the calling pour partager la parole de Dieu. To share God's word avec le peuple de Dieu. With the people of God. C'est vous le peuple de Dieu.
You are the people of God. Dieu compte sur vous. And God expects on you. Et le Seigneur est au ciel en ce moment. And the Lord is in heaven right now. En train de vous préparer une place. Preparing you a place. Vous situez ça dans Jean chapitre 14. You find it written in John 14. Donc il y a deux préparations qui se font au même moment en parallèle. So right now there are two preparations that are taking place in a parallel way. Dans Jean 14, il dit je m'en vais vous préparer une place. In John 14 he says I've gone to prepare you a place. Et dans Apocalypse 19, il dit le pouce s'est préparé. And in Revelation 19 it is written the bride is preparing herself. Vous voyez, il y a une préparation au ciel. As you can see there is a preparation in heaven. Et le pouce aussi se prépare. And the bride also is preparing herself. Et j'apprends qu'il y a un mariage, nous sommes là pour ça, j'ai mon invitation. And I'm learning that there is a wedding, me also I've got my invitation. Et vous savez que l'épouse se prépare pour and cet événement. You know that the bride right now is preparing herself for that event. Et je crois que le frère Christian, and I think brother Christian as well, s'est déjà préparé. Him has already prepared himself. C'est vraiment le modèle de ce qui nous attend. This is the type of what is waiting for us. Et chaque réunion comme celle-ci, and every meeting just like this one, c'est une préparation pour cet événement. Is a preparation for that event that we are all waiting for. Et que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Je tiens à remercier mon frère, le frère Willy. I would want to thank my brother, brother William, pour son introduction. For his introduction. Et surtout parce qu'il va me traduire en anglais. Especially because he's going to translate me in English. J'ai étudié en anglais aux États-Unis. I've studied in English in America. J'ai terminé l'université en anglais. And I finished my university in English. Et je travaille comme ingénieur aux États-Unis en anglais. And I work as an engineer in English in America. Mais je n'ai jamais prêché en anglais. But I've never preached in English. J'aime prêcher en français. I like to preach in French. Si surtout s'il y a quelqu'un qui peut me prendre, me translate. Especially if there is somebody who can translate me. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Donc nous sommes venus. Je suis porteur des salutations de vos bien-aimés et frères d'Atlanta. And I've come as a carrier of the greeting from your brethren from Atlanta. Amen. Nous sommes chargés de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. All ask me to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Et vos bien-aimés de Bruxelles aussi. And your beloved brethren from Brussels. M'ont chargé aussi de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. And they also asked me to greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Et vos bien-aimés aussi de Londres. And your precious brethren from London. M'ont aussi chargé de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. They also asked me to greet you in the precious name of the Lord Jesus Christ. Et je ne sais pas si avec votre permission. And I'm not sure whether with your permission. Permettez que je puisse aussi apporter vos salutations partout où je vais passer. If I can carry your greetings wherever I will go. Et vous savez, les salutations sont bibliques. And do you know that greetings are biblical? Vous pouvez les voir dans tous les livres. You can find them written in all the books. Surtout dans les livres de Romains. Especially in Romans. Où Paul est en train de saluer les frères. Where Paul is greeting the brothers. Il salue même l'église des maisons. He's even greeting the churches which were found in homes. Donc les salutations sont bibliques. So greetings are biblical. Et même quand vous voyez frère Frank avant de commencer la réunion. When you see brother Frank before he start the service, il passe le temps à lire les salutations. He goes on reading the greetings. Et il y en a qui disent ah ça fait passer non c'est biblique. There are people who say he's wasting time. No, they are biblical. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bless you. Parce que les enfants de Dieu aiment la communion. Because the children of God love the fellowship. La communion. Même les réunions comme vous voyez c'est biblique. Même the meetings as you see them, they are biblical. Nous voulons supporter toutes choses par une écriture. We want to support everything by a scripture. Les réunions comme ça, c'est biblique. Meetings like these are biblical. C'est l'église locale est biblique. Et local church is biblical. Dans chaque ville, on doit avoir une assemblée. In every city, there must be a church. Et c'était quoi l'église locale? And what was a local church? Selon les écritures. According to the scripture. Ce sont les frères qui avaient la même espérance. It's the brethren who had the same hope. Et qui se rencontraient à un même endroit. Who used to gather in one place. Parce que l'écriture dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Hallelujah. For the scripture says it is good for the brethren to come together. Parce que c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. For that's where the Lord pours his blessings. Et ils se rencontraient ensemble. And they used to come together pour adorer Dieu. To worship God. Pour le louer. To praise him. Dieu, c'était un grand roi.
God is a great king. Amen. Dieu c'est un roi. Amen. God is a king. Alléluia. Amen. Un roi aime les honneurs. And a king loves honors. C'est pourquoi l'église locale est là. That's why a local church is there. Ce n'est pas un rassemblement de frères Willy. It's not a gathering of brother William. C'est l'œuvre de Dieu. It is God's work. Amen. Et Dieu c'est un roi. And God is a king. Il aime qu'on l'adore. He loves to be worshipped. Il aime qu'on le loue. He likes to be praised. Et voilà la raison des églises locales. That is the reason or the main purpose of a local assembly. Amen. Et non seulement il est loué, not only to praise, mais il profitait de la communion fraternelle. But they were also benefiting from the brotherly fellowship. Les enfants de Dieu aiment la communion fraternelle. The children of God love the brotherly fellowship. Non seulement cela, not only that, mais ils se réunissaient aussi pour témoigner. They use also to gather in order to testify. Amen. Non seulement cela, not only that, ils se réunissaient pour soutenir le ministère qui était parmi eux. They were also gathering to support the ministry. Hallelujah. That was there. Non seulement cela, not only that, ils se réunissaient pour écouter Dieu le parler. They Amen. Used to gather Amen. To hear God talk to them. Parce que Dieu ne parle que dans son église. Because Amen. God only speaks in his church. Dieu ne parle pas au parlement. God does not speak from the parliament. Dieu ne parle pas à Washington. God does not speak in Washington. Donc si Dieu a quelque chose à dire à son peuple, if God has something to tell his people, il va pas aller à New York. He will not go to New York. Il va pas aller au parlement. Or to the parliament, the European Parliament. Il va le faire dans et le moyen principal par lequel Dieu parle à son peuple, and the main channel by which God speaks to his people, c'est au travers de sa parole. It's through his word. Et il n'utilise pas les anges. And he does not use angels. Il utilise les hommes pour parler aux hommes. He uses men to speak to men. Et ces hommes sont appelés serviteurs de Dieu. And those men are called servants of God. Et ce sont des serviteurs inutiles. And they are useless servants. Alléluia. Amen. Ils sont comme tous les hommes. They are just like any other man. À la seule différence, the only difference, qu'ils sont appelés du Seigneur. They are all called of God. Ils ont un appel. They have a calling. Et il faut soutenir cela. And Amen. We must support that. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu peut vous parler. Because that's the channel by which God can talk to you. Amen, amen. Et voilà la raison des églises locales. That is the main purpose of a local assembly. Il faut garder cela. We must keep that. Il faut protéger cela. We must protect that. Il faut croire que c'est comme ça que ça se passe. We must believe that this is how it has to happen. Et ils se réunissaient aussi. And they were also gathering. Pour prier. To pray. Yes. Parce que Dieu écoute les prières. Because God answers the prayer of the saints. Bien aimé, c'est la réalité. Beloved, this is a reality. Quand vous venez en cet endroit, when you come in this place, croyez de cette manière. Believe in that manner. Que Dieu répond aux prières de saints. That God answers the prayers of the saints. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Alors on a compris pourquoi on est ici. Now we have understood why we are here, and you all know that. Et Dieu a suscité des ministères. And God has raise that ministry. Et c'est Dieu qui suscite le ministère. And it is God who bring up ministry. Il a fait le zinc comme. He made the sum as efficient. C'est lui qui fait. The one who makes it himself. Et le ministère. And a ministry. Sont pas seulement pour l'église locale. A ministry is not only for a local assembly. Le ministère c'est pour le corps de Christ. A ministry is for the body of Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi j'invite toujours le frère. That's why I keep on inviting the brother. Et si vous avez toujours l'occasion, if the Lord has granted you the means, sachez que votre ministère, ce n'est pas seulement pour ce you peuple. Must realize that your ministry is not only for these people. C'est pour le corps de Christ. It's Amen. For the body Amen. Of Christ. Amen. Et le ministère s'échange parce que les ministères sont différents. And Amen. The ministry have to Amen. Rotate because ministries are different. Mais il y a un même esprit. But there is only one spirit. Amen. Donc ça sera la même parole. It will be the same word. Mais peut-être préparé différemment. Maybe prepared differently. C'est comme un poisson. It's like a fish. Les autres peuvent juste bouillir ça. There are some who can only boil it. Et ils mettent un peu d'oignon. They put a little bit of onions. Et les autres vont juste le fumer sur du charbon. Some might even fry it on charcoal. Et les autres juste le griller. And some they will fry it in the oven. Mais ça reste le poisson. Yet it Amen. Remains the fish. Alléluia. Amen. Donc ça, vous pouvez peut-être sentir quelque chose, mais ça sera toujours la même nourriture. You may feel something different, Amen. But it's the same food. Et la parole de Dieu c'est notre nourriture. And Amen. The word of God is our food. Et je vais appuyer cela avec Matthieu chapitre 4. I will support that with Matthew chapter 4.
le verset 4, Matthieu 4, verset 4. Le Seigneur répond, il dit ceci. The Lord answering, he says. Jésus répondit. But he answered and said. Il est écrit. It is written. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Man shall not live by bread alone. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Donc ici le Seigneur donne un enseignement. The Lord gives a teaching. Il dit que c'est comme par exemple nous avons besoin de manger chaque jour. He says as we have the habit of eating every day. Et si vous ne mangez pas, if you don't eat, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. That means there is something wrong with you. C'est-à-dire vous êtes soit malade. Either you are sick. On doit vous amener à l'hôpital. They must take you to hospital. Donc vous avez besoin de manger chaque jour. You must eat every day. Pour vous maintenir en vie. Amen. In order to stay alive. Et la même chose, celui qui est né de nouveau. The same the person who's born again. Il ne vit pas seulement du pain. He non, does not live by bread alone. Mais il vit de toute parole qui sort de la bouche but de Dieu. But he lives by every word that proceeds out of God's mouth. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'aime plus la parole, if you see somebody who doesn't love God's word, c'est pas normal. It's no longer normal. C'est la même chose qu'une personne qui ne mange plus. It's the same with somebody who stopped eating. On s'inquiète. You would be worried. Il a dit, mais il faut voir le médecin. Go see a doctor. C'est ça. Donc un véritable enfant de Dieu, a true child of God, il vit de la parole de Amen. Dieu. By God's word. Amen. Parce que en elle était la vie. Jean chapitre 1. Because in the word was life. John 1. Regardez ce que l'écriture dit. Look what the scripture says. Jean chapitre 1. John 1. Il dit que au commencement était la parole. It says, chapitre 1, verse 1. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Et regardez le verset 3. Verse 3. Toutes choses ont été faites par elle. All things were made by him. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. And without him was not anything made. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Verse 4 is the most interesting. En elle était la vie. And in him was life. Donc dans la parole de Dieu, in God's word, il y a la vie. There is life. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons manger cette parole. And we must eat that pour word. Nous maintenir en vie. To Amen. Remain alive. Un chrétien qui n'aime plus la parole, a believer who does no longer love the word, il est tombé. He has fallen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans la parole il y a la vie. Amen. Because in the word there is life. Et cette parole, and that word, c'est elle qui a créé toutes choses. It's that word that created everything. Et cette parole, and that word, notre confession de la foi, our confession of faith. Nous allons dans Deutéronome chapitre 6. We go in Deutéronome 6. Dieu veut que nous gardions cette parole à tout moment. God wants us to keep His word all the time. Et j'ai aimé quand le frère a dit. Il a vu un culte dans ma maison. I like when my brother said he saw the service in my house. Et je veux te montrer, c'est par rapport à Deutéronome chapitre 6. I want to show you that it's in connection with Deuteronomy 6. C'est Deutéronome 6. It's written in Deuteronomy 6 verse 6. Et regardez ce qu'il dit. Look what it's written. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui. And these words which I command thee this day. Seront dans ton cœur. Shall be in thine heart. La parole de Dieu ne doit pas rester dans nos têtes. God's word must not remain in the head. Elle ne doit pas rester dans la Bible. It must not remain in the Bible. Elle doit demeurer dans nos cœurs. It must be in our heart. Et regarde ce que le Seigneur dit, le verset 7. Now look at verse 7. Tu les inculqueras à tes enfants. And Amen. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Dieu veut que nous inculquons à nos enfants la parole de Dieu. Amen. God wants us to teach diligently our children c'est His word. C'est une responsabilité pour tout parent. It is a responsibility for every parent. Et si vous ne le faites pas, and if you don't do it, Satan va faire quelque chose. Satan will do something. Si vous n'inculquez pas la parole de Dieu à if vos enfants, if you don't put God's word in your children, la télévision va leur inculquer la mentalité. The television will put in them the world. L'internet va leur inculquer la mondanité. The internet will put in them the world. Mais Dieu est clair. But God is very clear. Tu les inculqueras à tes enfants. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Et tu y en parleras. And shall talk of them. Quand tu seras dans ta maison. When thou sit in thy house. Oh, j'aime bien cette parole. I love this word. C'est la confession de la foi. This is the confession of faith.
Dans les maisons des enfants de Dieu. In the houses of believers. On parle de commandement de Dieu. We talk about God's commandment. C'est une recommandation. It is a recommendation. Alléluia. Amen. Tu les inculqueras et tu en parleras dans ta maison. Thou shalt teach them diligently unto thy children and shalt talk of them when thou sit in thy house. Tu en parleras quand tu iras en voyage. And when thou walkest by Amen. The way. Alléluia. Amen. Et quand tu te coucheras, and when thou liest down, et quand tu te leveras, and when Amen. Thou rises up, dans ma maison, in my house, je dis toujours à mes enfants, I always tell my children, la dernière chose que vous devez faire, the final or last thing that you must do, avant de dormir, before sleeping, c'est lire la parole, Amen. To read the word. Alléluia. Amen. Si vous arrivez chez moi, vous allez trouver des Bibles dans toutes les chambres. And if you come to my house, you'll find Bibles in every room. Même sur la table, au salon. Even on the table, in the living room, il y a la parole de Dieu. The word is Amen. Everywhere. I love the word. J'invite les gens à aimer la parole. And I invite people to love the word. Alléluia. Amen. Et la dernière chose à faire, c'est lire la parole. And the final thing to do before the end of the day is to read the word. Et la première chose à faire quand on se lève, and the first thing to do when you wake up from bed, ce n'est pas regarder WhatsApp. It's not to turn to your phone and check your WhatsApp. Ça c'est le diable. That is the devil. Dieu veut que quand tu te lèves, God wants when you wake up in the morning, que ça soit la parole de Dieu. Amen. That you read the word. Alléluia. Amen. Dieu veut que la parole soit en abondance dans nos cœurs. God wants for His word to be abundantly in our hearts. C'est alors que vous aurez du succès. That's Amen. How you will be successful. Et regardez ce qu'il dit à Josué. And look what he said to Joshua. Amen. Et vous allez voir, c'est la même chose. You will see that it is the same thing. Et il dit dans Josué 23. Joshua 23. Vous voyez ça. Donc vous voyez que nous vivons de cette parole. You can see that we are living by this word. C'est pourquoi quand mon bien-aimé est arrivé chez moi, that's why when my brother came to my place, il a vu que nous aimons la parole. He noticed that we really love the word. Et nous voulons parler de la parole à tout moment. We want Amen. To talk about the word all the time. Et puis un moment que dans ma maison j'ai, tu vois, avec l'internet et tout ça, j'ai mis une régulation. At one time in my own home, with the internet and so on, I decided to put some rules. Donc, les enfants ne peuvent pas accéder librement. J'ai mis des mots de passe. The children cannot just easily access. I had to put passwords. Et j'ai limité les temps et quels sont les websites qu'ils peuvent visiter. And I decided to limit the timing and which website they could navigate. Et je prenais Deutéronome 6. And I used to take Deutéronome 6. Et on a marché comme ça. And we walked like that. Et j'ai remarqué d'abord que le niveau des enfants à l'école a augmenté. And one first thing I did notice was the performance of the children in schools improved. Et j'ai remarqué que même les remarques à l'école viennent toujours dans le sens que les enfants sont comme ça. Even the comments from teachers, each time I received them, they were always praising the kids. Et puis on a remarqué aussi que quand on avait un problème, dès qu'on criait, le Seigneur répondait. Amen. And we also noticed that each time we had a problem at home, if we cry unto the Lord, He used to answer. Donc, quand il y a un problème, so when there is a problem, n'importe quel problème, regardless of the problem, une famille, vous êtes fort. A family, you are strong. Pour vous tenir devant l'Éternel. To stand before the Lord. Crier et Dieu peut répondre. To cry and the Lord is able to answer. Alors regardez ce qu'il dit dans Josué 23. Now look what he says in Deuteronomy. Le verset Joshua 23. Le verset 14. Verse 14. Il dit, voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. And behold this day. Reconnaissez de tout votre cœur. I am going the way of all the earth. Et de toute votre âme. And ye know in all your heart and in all your soul. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. That not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. Toutes se sont accomplies pour vous. All are come to pass unto you. Aucune n'est restée sans effet. And Amen. Not one thing has failed thereof. Dieu ne peut pas échouer. God cannot fail. Maintenant, allons dans Jérémie chapitre 1. When you go to Jeremiah chapter 1, pour compléter parce que nous parlons de la parole. To add because we are still talking about. Regardez ce que le Seigneur dit. Look what the Lord said. Jérémie chapitre 1. Jeremiah chapter 1.
La parole de l'Éternel, le verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, que vois-tu, Jérémie? Jeremiah, what seest thou? J'ai répondu, and I say, je vois une branche d'amandier. I see a rod of an almond tree. Et l'Éternel me dit, then said the Lord unto tu me, as bien vu, thou hast well seen, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. For I will hasten my word to perform it. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, all that is written in the Bible, Dieu a pris l'engagement. God has taken the full responsibility. De veiller sur ça. Amen. Watch over it. Amen. Pour l'accomplir. In order to execute it. Donc, tu vois, parfois, je vois dans les dénominationnels, ils disent. At times I see in denomination. Okay, they say, oh, je vais demander la volonté de Dieu. They say, oh, when there is a problem, I'm going to seek God's will. La volonté de Dieu est déjà clairement exprimé dans la parole de Dieu. Amen. The will of God is already well expressed in His word. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. And God watches over His word to fulfill it. Et dans la parole, il y a la vie. And in the word there is life. Et chacun peut prendre seulement cette parole comme une semence. Each can take that word as a seed. Et elle contient la vie. It contains life. Et si vous pouvez seulement la croire, if you can only believe it, elle va s'accomplir. It will come to pass. Alléluia. Amen. Alors vous voyez que c'est comme ça que Dieu voit les choses. That's how God sees things. C'est pourquoi nous aimons la parole. That's why we love the word. Et quand je venais ici en Angleterre, and when I was coming here in the UK, je me suis dit, oh, je suis dans un royaume. I then said to myself, I'm in a kingdom. Alléluia. Amen. Ça c'est un royaume. This is a kingdom. Alors je me disais, I was saying to myself, ma prédication ne prend que 15 minutes. J'ai un petit sujet. My sermon will only take 15 minutes. Mais c'est mon introduction qui est trop longue. But it's my introduction which takes too long. Alléluia. Amen. Ma prédication c'est 15 minutes. My sermon is 15 minutes. Mais mon introduction peut prendre 45. But my introduction can take 45 minutes. Mais j'introduis en prêchant. But I introduce by preaching. Vous pouvez déjà être béni dans l'introduction. You can already be sujet. You can already be blessed in the introduction before we come to the topic itself. Alléluia. Amen. Alors mon introduction dépend de la manière dont le Seigneur me conduit. My introduction depends on how the Lord leads me. Alors quand je venais, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui sera l'introduction pour chaque sermon. But when I was coming, still I didn't know what would be my introduction for every sermon. Jusqu'à ce que le Seigneur mette quelque chose sur mon cœur. Until when the Lord will put something upon my heart. Et alors, je me suis dit, je suis dans un royaume. I then said to myself, I'm in a kingdom. Ah, mon introduction a commencé par là. And then my introduction began by there. Ah, donc dans un royaume, donc il y a un roi. So c'est which ça. Means in Amen. A kingdom there is a king. Ah, donc ce roi là. And that king, il est toujours là. He is always there. Parce que c'est un royaume. Because it is a kingdom. Et ça me fait penser tout de suite à 1 Samuel chapitre 8. It made me to think about 1 Samuel chapter 8. Et ça sera mon introduction. And that will be my introduction. Voyez 1 Samuel chapitre 8. When you read in 1 Samuel 8, en fait, Dieu avec son peuple, meaning God with his people, Dieu voulait diriger son peuple. God wanted to rule his people de tout le temps and lead them all the time. Dieu a toujours voulu lui diriger son peuple. God always wants to lead his people. Et il a établi des, il a envoyé des prophètes. And he sent prophets parce que le prophète avait sa parole. Amen. Because prophet had his word. Et celui qui recevait le prophète recevait Dieu. And whoever used to receive prophet received God himself. Celui qui vous reçoit me reçoit. The one who receives you, he receives me. Et Dieu voulait conduire son peuple. And God wanted to lead his people. Parce que il est le roi des rois. Because he is the king of kings. Alors quelque chose de grave se passe ici. Now something terrible happened here. Parce que le peuple ne voulait plus le prophète. The people did no longer want prophets. Ils voulaient imiter les nations. They wanted to imitate nations. Parce que les nations avaient des rois. Because nations had kings. Mais Dieu lui, quand il a pris son peuple, but God when he took his people, lui il voulait le conduire différemment des nations. He wanted to lead them differently il from other nations. Il voulait lui régner sur le peuple. He Amen. Wanted to rule over the people. Et ça c'est l'intention de Dieu même jusqu'à aujourd'hui. And that is God's intention even today. Dieu ne veut jamais qu'un homme domine sur son peuple. God does not want for a man to rule over his people. Il veut que le Saint-Esprit conduise son peuple. He wants the Holy Spirit to rule his people. Il est la tête de l'Église. He
is the head of the church. Et la parole de Dieu c'est la seule autorité même dans l'église. And the word of God is the only authority in the church. Nous tous nous sommes en dessous de cette autorité. Amen. All of us are under that authority. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'étais en train de penser directement à cela. Then I was thinking about that. Alors regardez le verset 5, l'homme Samuel 8. 1 Samuel 8, verse 5. On commence même au verset 1. We could go from verse 1. Lorsque Samuel devint vieux, and it came to pass when Samuel was old, il établit ses fils juges sur Israël. That he made his sons judges over Israel. Son fils premier né nommé on dit. And now the name of firstborn was Joel. Et nous sautons directement au verset 5. We go straight to verse 5. Non, verset 4. Sorry, 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Then all the elders of Israel gathered themselves together. Et vinrent auprès de Samuel. And came to Samuel and to Ramah. Et ils lui dirent. And said unto him. Voici tu es vieux. Behold thou art old. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. And thy sons walk not in thy ways. Maintenant établis sur nous un roi. Now make us a king. Pour nous juger. To judge us. Comme il y en a chez toutes les nations. Like all the nations. Alléluia. Amen. Samuel vit avec des plaisirs. But the things displeased Samuel. Qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. When they said, give us a king to judge us. Et Samuel priait l'Éternel. And Samuel prayed unto the Lord. L'Éternel dit à Samuel. And the Lord said unto écoute Samuel, la voix du peuple. Hearken unto the voice of the people. Dans tout ce qu'il te dira. In all that they say unto thee. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. For they have not rejected thee. C'est moi qu'il rejette. But they have rejected me. Afin que je ne règne plus sur eux. That I should not reign over them. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu envoie un homme. When God sends a man. Un serviteur de Dieu. A servant, c'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs. Et quand vous rejetez l'homme, and when you reject that man, Dieu dit ce n'est pas toi l'homme qu'on rejette. God says it's not you, c'est the moi qui rejette. They have rejected me. Quand vous sentez un esprit, when you feel a spirit, je n'aime plus Frère William. I don't want Brother William anymore. Mais moi j'aime Dieu. But non, me, I love God. No, you are lying. No. C'est Dieu que tu rejettes. It's God whom you are rejecting. Parce que Dieu établit William. Because God established William. Pour parler de sa part. To speak from his behalf. C'est pourquoi un homme de Dieu. Because that's why a man of God. Dit les paroles de Dieu. So it's God's word. Il ne dit pas ses propres paroles. He does not give his words. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul disait à Timothée. That's why Paul could tell Timothy. Prêche la parole. Preach the word. Ne prêche pas tes pensées. Don't preach your thoughts. Ne prêche pas tes histoires. Don't preach your history. Prêche la parole. Preach the word. En toutes circonstances. In all circumstances. Favorable ou non. Good or bad. Toute écriture est inspirée de Dieu. All scriptures is inspired of God. Capable. Able pour enseigner, to teach, c'est-à-dire on enseigne avec l'écriture, we teach with the scripture, capable pour corriger, able to correct, c'est-à-dire on corrige avec l'écriture, we correct with the scripture, alléluia, amen, capable, able enseigner, conduire, to corriger, teach, instruire, to lead, to instruct. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Because in the beginning, et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Jean chapitre 1. John 1. Et la parole était Dieu. And the word was God. Dieu. God. Et sa parole. And his word. C'est la même chose. Amen. Amen. C'est lui qui reçoit la parole. The one who receives the celui word. Qui aime la parole. The one who loves the word. Il aime Dieu. He loves God. Et il aimera aussi ses serviteurs. He will also love et il aimera aussi les enfants de Dieu. He will also love God's children. Alors vous voyez la conversation de Samuel avec and you Dieu. See the conversation of il dit, ce n'est pas toi qui rejettes. It's not c'est moi qui rejette. Rejected. Fais ce qu'il veut. Do what they tell you. Tu leur donnes ce qu'ils veulent. Give them what they want. Alors, Samuel essaie d'expliquer. Then Samuel tried to explain. Nous sommes au verset 19. Verse 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Nevertheless, the people refused to obey. Non, dirent-ils. And they said, mais il y aura un roi sur nous. But we will have a king over us. Alléluia. Amen. Mais nous regardons 1 Samuel chapitre 12, le verset 12. When we go to 1 Samuel 12, verse 12, il dit ceci. It is written. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Amen. And when he saw that Nachash, the king of the children of Ammon, came against you,
Ye said unto me, Nay, but a king shall reign over us. When the Lord your God was your king. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu c'est un roi. So our God is our king. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit dans l'introduction. That's why I said in my introduction. Que quand nous nous réunissons, that when we c'est pour l'adorer. Is to worship him. C'est pourquoi même la manière dont nous nous habillons quand nous venons à l'église. That's why even the way we dress when we come to tout church. Tout cela compte, bien-aimé. All of that matters. Nous venons devant un roi. We are coming before a king. La manière dont nous marchons. The way we walk. La manière dont nous nous comportons. The way we behave. C'est devant un grand roi. It's before a great king. C'est pourquoi Paul disait à Timothée. That's why Paul could tell Timothy. Si je traîne. If I tarry, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. You will know how to behave in the house of the Lord. On ne se conduit pas n'importe comment dans you la maison de Dieu. Act anyhow in the house of God. Parce que Dieu c'est un roi. Because God is a king. Et David connaissait cela. And David knew that. Nous pouvons aller dans Psaume 145. We can go in Psalm 145. Et vous allez voir que tous avaient la révélation. You will see that all of them had the revelation. Et ce matin nous voulons aussi avoir la même révélation. And this morning you would also want to have the same revelation. Parce que nous dans un royaume. Because we are in a kingdom. Mais nous, nous sommes serviteurs de Dieu. But we are God's servants. Nous devons prêcher la parole. We must preach the word. Quand je vois un roi, un royaume, when I see a king, mais je dois a kingdom, dire au peuple de Dieu la parole de Dieu. I must tell the people the word of God. Regardez Psaume 145. Psalm 145. Louange de David. This is the psalm of praise of David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi. I will extol thee, my God, ô king. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un grand roi. Our God is a great king. Il n'est pas comme le roi de cette terre. He is not like the kings of this earth. Son royaume a un règne éternel. Amen. Kingdom, its reign is eternal. Regardez dans Psaume 146, le verset 10. Psalm 146, verse 10. L'Éternel règne éternellement. The Lord shall reign forever. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Even thy God, O Zion, unto all generations. Louez l'Éternel. Praise ye the Lord. Lui n'est pas comme le roi de la terre. He is not like the king of this earth. Lui son règne his est éternel. Is eternal. Maintenant regardez. Now look. Vous savez que ce roi là. That king. Et allons dans Isaïe chapitre 6. In Isaiah 6. Amen. Pour appuyer cela. To support what we are saying. Vous allez m'excuser, je prêche avec beaucoup d'écritures. I preach with Amen. Many scriptures. Nous allons aller d'écritures. Bear with me. We go from one scripture to the next. Regardez dans Isaïe chapitre 6. In Isaiah 6. Au verset 1. From verse 1. L'année de la mort du roi Ozias. Il y avait un roi. There was a king at that time. Mais c'était l'année de sa mort. And it was the year of. Je vis le Seigneur assis sur un trône. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting très upon élevé, the throne, high and lifted up. Et les bandes de sa robe remplissaient le temple. And his train filled the temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui. Above it stood the seraphim. Ils avaient chacun six ailes. Each one had six wings. Deux dont il se couvrait le face. With twine he covered his face. Deux dont il se couvrait le pied. And with twine he covered his feet. Et deux dont il servait pour voler. And with twine he did fly. Il criait l'un à l'autre, il disait. One cried unto another and c'est said, un roi saint. Amen. Holy is he is a holy king. Saint, saint, saint l'Éternel des armées. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Toute la terre est pleine de sa gloire. The whole earth is full of his glory. Il est l'Éternel des armées. He is the Lord of hosts. Parce qu'un roi a toujours une armée. Amen. Because a king always have an army. Alors le verset 5. Then on verse 5. Alors je dis. Then said I. Malheur à moi. Woe is me. Je suis perdu. For I am undone. Car je suis un homme. Because I am a man. Dont les lèvres sont impures. Of unclean lips. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Eyes have seen the King, the Lord of hosts. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le témoignage de l'Écriture. This is the testimony of the Scripture. David l'a appelé l'Éternel, mon roi. The David called him the Lord, my King. Isaïe a vu. And Isaiah saw. Et il avait peur. And he feared. Parce qu'il a dit, mes yeux ont vu. Because he said, my eyes have seen the Lord, the King. Alléluia. Amen. Nous pouvons aller dans Jérémie. Jérémie a fait aussi la même chose. Jérémie chapitre 10. Jeremiah chapter 10. Le verset 10. Verse 10.
Écoute le témoignage de la Bible. Listen to the testimony of the Bible. Jérémie chapitre 10. Jeremiah 10. Mais l'Éternel, but the Lord, est Dieu en vérité. Is Amen. The true God. Il est un Dieu vivant. He Amen. Is the living God. Et un roi éternel. An everlasting King. Alléluia. Amen. Voyez le témoignage de la Bible. This is the testimony of the Bible. Vous êtes dans un royaume. You are in a kingdom. Vous avez une reine. You've got a queen. Mais vous devez savoir ces choses. But you must know this thing. Que l'Éternel notre Dieu, that the Lord our God, c'est lui votre roi. He is your king. C'est un roi éternel. He is an everlasting king. Zacharie chapitre 9. Zechariah chapter 9. Le verset 9. Zechariah chapter 9 verse 9. Et regardez ce que la Bible dit. Look what the Bible says. Ici c'est encore terrible. It's even terrible here. Il dit, sois transporté dans les graisses, fille de Sion. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Shout, O daughter of Jerusalem. Voici ton roi. Behold thy king. Viens à toi. Cometh unto thee. Il est juste et victorieux. He is just and having salvation. Mais notre roi est terrible. Our king is terrible. Parfois il dit, il est humble et monté sur un âne. And at times it's written here, he is lowly and riding upon an ass. Mais le roi de cette terre ne sont pas humbles. But the king of this earth, they are not humble. Mais notre roi, nous, il a, parfois il devient humble. But our king, at times he becomes humble. Il est monté sur un âne. He is riding upon an ass. Le petit d'une ânesse. And upon a colt. The fall of an ass. Ça, ce n'était qu'une prophétie. This was only a prophecy. Mais allons dans Matthieu chapitre 21. But when you go in Matthew 21, et vous allez voir l'accomplissement de cela. You will then see the fulfillment of that. Au même moment, nous montrons que, at the same time, Jésus-Christ est la manifestation de Dieu. Amen. That Jesus Christ is the manifestation ici, of God. Ici, l'Écriture dans Zacharie dit que le Dieu votre roi vient sur monter sur un anneau, il est humble. And Amen. Here we are told in Zechariah that the Lord your God is coming riding on an ass. Mais dans Matthieu 21, but yet in Matthew 21, regarde ce que le Seigneur dit. What, look what the scripture says. Il envoie ses disciples. He sent his disciples. Pour aller chercher, pour préparer. To go and prepare. Prenons le verset 2. Verse 2. Verset 3, verse 3. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, and if any man say, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Oh, unto you, ye shall say, the Lord has need of them. Non, lisons le verset 2 pour comprendre le contexte. Verse 2, so that we get the context. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Saying unto them, go into the village over against vous you. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un anneau. And straight away ye shall find an ass tied. Avec a colt, détachez-les et amenez-le-moi. Loose them and bring them unto me. Vous pouvez vous imaginer. You may wonder. Jésus envoie ses disciples. Jesus sent. Il dit, allez, vous allez trouver. Go. Un âne, détachez et amenez-le-moi. Go and you find an ass which is bound and mais on peut dire, ça c'est un voleur, il a pris quelque chose de toi. One might say, but this is a thief, he has taken something from somebody. De toute la terre. He is the king of all the earth. Et au verset 3, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, and verse 3 says, vous répondrez, and if any man le Seigneur en a besoin. He shall say, the Lord has need of them. Il les laissera aller. And straight away, he will send them. Et vous voyez ce roi? Can you see this king? Alléluia. Or, ceci arriva, all this was afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet. Et nous savons maintenant que c'est Zacharie chapitre 9, le verset 5. And we all know that this is Zechariah chapter 9. Alléluia. Amen. Et on dit même ce que le prophète avait dit. And then le they write 5, what the dit à la fille de Sion, verse 5, voici ton roi vient à toi. Tell ye the daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee. Plein de douceur, meek, et monté sur un âne, and sitting upon an ass, sur un anneau, and a colt, le petit d'une ânesse, the foal of an ass. Alléluia. Amen. Vous voyez la beauté des Écritures. Can you see the beauty of the Scriptures? David savait qu'il était au roi. David knew that he was king. Esaïe a vu une vision. And yet Isaiah saw a vision. Et il a eu peur. And he was trembling. Parce que ses yeux ont vu le roi. Because his eyes saw the king. Jérémie a dit notre Dieu c'est un roi. And Jeremiah said our God is a king. Et Zacharie le décrit comme un roi humble. And Zachariah described him as a humble king. Il vient monter sur un âne. Coming
riding on an ass. Et Matthieu 21 le décrit maintenant. And Matthew 21 now describes. Ce roi était sur la terre. That king was now on earth. Il marchait humblement. Walking in a very meek way. Il n'avait même pas de SUV. He had not even de voiture, voiture américaine. Or this American cars. Mais il marchait à pied. And yet he was. Mais était un roi. Yet he was a king. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez la révélation? Can you see the revelation? Que notre Dieu c'est un roi. That our God is a king. Peut-être vous n'avez pas encore saisi. Yet you haven't maybe understood. Mais quand notre Seigneur est mort à la croix. But when our Lord died on the cross. Quand il est ressuscité. And then rose from the dead. D'abord voyons la discussion de notre Seigneur devant le Pilate. Look first at the conversation or discussion between our Lord and Pilate. Allons dans Jean chapitre 18. John 18. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. John, que vous n'avez pas un autre roi que Dieu lui-même. You will understand that you don't have any other king beside God himself. Regardez le verset 33. Jean 18. John 18, verse 33. Alléluia. Amen. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus. Et lui dit. And said unto him, es-tu le roi des Juifs? Art thou the king of the Jews? Alléluia. Amen. Jésus répondit. And Jesus answered him, est-ce que c'est de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Sayest thou this thing of thyself or did others tell it thee of me? Pilate répondit. Pilate answered, moi je suis juif. Am I a Jew? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. Amen. What hast thou done? Regardez la réponse du Seigneur. Now look at the answer of the Lord. Mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Jesus answered, my kingdom is not of this world. Répondit Jésus-Christ. Donc mon royaume. Meaning my kingdom. Donc il était roi. Amen. Jesus was a king. Et il répond à Pilate. And he's answering to Pilate. Alors il dit, est-ce que tu le dis de toi-même? He asked ou bien him, quelqu'un te l'a dit? Are you saying this by yourself or someone has told you? Tout bien qu'il était arrêté, hein? Mais il avait l'autorité, il était roi. Still he had the authority, why? Because he was a king. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu. He's the same God. C'est lui que Isaïe a vu, il a eu peur. The one that Isaiah saw and was trembling. C'est lui que Jérémie a dit dans Jérémie 10:10. The one that Jeremiah spoke of in Jeremiah 10:10. C'est lui que Zacharie 9:9 a annoncé. The one that Zechariah 9:9 announced. C'est lui qui est monté sur une ânesse. The one who was riding on an ass. Et personne ne le reconnaissait. And nobody recognized him. Mais c'est lui de ces temps-là. Avec vu l'accomplissement des prophéties. They saw the fulfillment of the prophecy. Et ils étaient dans la joie. And they were rejoicing. Les sœurs ont étalé les pagnes. The sisters put their cloth down on the ground. Et ils avaient des rameaux. They had all these palm trees. Ils avaient Zacharie 9:9. Because they saw Zechariah 9:9. Mais les autres disaient, mais ils sont fous. And they were saying these people are crazy. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus devant Pilate. That's why Jesus before Pilate. Et nous sommes toujours dans l'introduction. We are still in the introduction. Alléluia. Amen. La présentation de Jésus de 15 minutes. The sermon is only 15 minutes. Alors il dit devant Pilate. Before Pilate. Est-ce que tu l'as dit de toi-même? Are you saying this of yourself? Ou bien quelqu'un te l'a dit? Or someone has told you? Il dit, est-ce que moi je suis roi? Et je suis juif. Me, am I a Jew? Est-ce que tu étais romain? Why? Because Pilate was a Roman. Alors voyons la réponse au verset 36. Then on verse 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. My kingdom is not of this world. Si mon royaume était de ce monde, if my kingdom were of this world, mes serviteurs auraient combattu pour moi, fight, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. That I should not be delivered to the Jews. Mais maintenant, but now, mon royaume n'est point d'ici-bas. Now is my kingdom not from hence. Pilate lui dit. Pilate therefore said unto him, tu es donc roi? Art thou a king then? Alléluia. Amen. Et regardez la réponse. Listen to the answer. Jésus répondit. Jesus answered, tu le dis. Amen. Thou sayest. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qu'Esaïe avait vu, the God that Isaiah saw, était sur la terre, was on earth, mais humble, but yet meek. Il n'a pas renié. He did not deny. Il dit, tu l'as dit. He said, amen. You've said it. Notre Dieu c'est un roi. Our God is a king. C'est pourquoi quand nous entrons ici. That's why when we walk in here. C'est pour ce roi. It's for that king. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne ça. I want for the people of God to understand that. Dès que vous comprenez cela, once you grasp that, même les démons sur vous fuient. Even the demons on you, they will flee. Et vous êtes maintenant prêt pour recevoir les bénédictions de la part de ce roi. You will be ready to receive the blessings from that king.
Alléluia. Amen. Et regardez, il répond. Now look here, he answers. Il dit, tu l'as dit, je suis roi. Thou sayest that I am a king. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. To this end was I born, and for this cause came I into the world that I should bear witness unto the truth. Quiconque est de la vérité, everyone that is of the truth, écoute ma voix. Amen. Hear with my voice. Alléluia. Amen. Quiconque est de la vérité, anyone who is of the écoute truth, ma voix. Amen. Hear with my voice. Je suis né ici. I have come to this end. Pour rendre témoignage à la vérité. To bear witness to the truth. Et regarde, le Pilate lui dit. Pilate said unto him, qu'est-ce que la vérité? What is the truth? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la vérité? What is the truth? Mais nous pouvons répondre à Pilate. C'est ça. But we can answer to Pilate. Avec Jean 17, juste le verset, le with chapitre avant. John 17, just lui dit, qu'est-ce que c'est la vérité? He asked, what is the truth? Amen. Si vous étiez là, if you were après there, cet enseignement, after this teaching, vous allez dire à Pilate, you c'est have, Jean 17, 17. You could tell Pilate straight, the answer is John 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Sanctify them through thy... Carry on. Ta parole est la vérité. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Alléluia. Quiconque est de la vérité, whoever is of truth, écoute ma voix. Heareth my voice. Je suis né. I have come to this. Pour rendre témoignage à la vérité. To bear witness to the truth. Qu'est-ce que c'est la vérité? What is the truth? Oh, Pilate, nous allons te répondre. Pilate will answer you. Sanctifie-le par ta parole. Sanctify them by thy word. Ta parole est la vérité. Thy word is the truth. Donc la vérité c'est la parole. Amen. Meaning the truth is the word. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ce roi. Can you see this king? Il est roi. He is king. Maintenant, il a quitté. Les anges ne faisaient que l'adorer. The angels were only worshiping. Comme nous l'avons vu dans Isaïe chapitre 6. As we saw in Isaiah 6. Mais il avait un plan de rédemption. And yet he had the plan of redemption. Les anges continuaient toujours à adorer. The angels continue worshiping him. Mais ces dieux-là avaient déjà quitté, had already left, et il était sur la terre. And he was already on earth. Et les anges étaient toujours là. Angels were still. Ils gardaient les portes, les linteaux. Keeping the lintel, the gates. Et le roi était déjà humble sur la terre. And yet the king had already humbled himself. Pour te sauver toi et moi. In order to save you and I. Pour prendre tes péchés. To take your sins. Pour les clouer à la croix. And to nail them on the cross. Alléluia. Amen. C'est ainsi le jour de la résurrection. That's why on the day of the resurrection. Je crois que nous sommes dans Jean 19. We are now in John 19. Quand il est ressuscité. When he rose. Il est monté et beaucoup de gens ne savent pas. Many people don't know. Et que Jésus est monté d'abord le matin. That Jesus went up first in the morning. Après la résurrection. After the resurrection. Alléluia. Amen. Et il ne voulait pas qu'on le touche. He did not want to be touched. Il disait, ne me touchez pas. He was saying, don't touch me yet. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père because et votre Père. I have Amen. Not yet gone to my Father and your Father. Alléluia. Amen. Et quand il est monté, and when he went up, c'était aller pour déposer le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. It was to go and offer the blood of the new covenant. Et ce sang-là est encore là pour nous. And that blood is still there up to today for pour you. Pour intercéder pour l'expiation de nos fautes. To intercede for our propitiation. Alors vous voyez, then you see, et quand il est monté, and when he went up, et les anges, je crois que c'est en psaume 22, Psalm 22 first, et il est arrivé à la porte, when he came back to the gate, et il dit, porte éternelle, ouvrez vos linteaux. It says, heavenly gate, open your door. C'est, je trouve, c'est psaume 24. Psalm 24. C'est le verset 7. Psalm 24, verset 7. Donc, les anges qu'Esaïe a vus, the angels that ils gardaient le palais royal. They were keeping the royal palace. Mais ce roi était déjà sur la terre. And yet, the king had already gone. Parce qu'il est un Dieu omniscient. Because he is an omniscient God. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Meaning, he knows everything. C'est-à-dire qu'il est un Dieu omniprésent. And he's also omnipresent. C'est-à-dire qu'il peut être partout au même Meaning, moment. He can be everywhere at the same time. Il peut être au ciel. He can be in heaven. Et il peut être sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les témoins de Jéhovah n'arrivent pas à le saisir. This is where Jehovah's Witnesses essaie de le comprendre avec notre intelligence. They try to understand him with the, in our understanding. Alors quand il a fini, il a dépouillé le diable, il a pris les clés du séjour de mort. When he
rich and then took all the authority from the devil. Et il a versé son sang comme un souverain sacrificateur. And he shed his blood as a high priest. Pour nous donner une rédemption éternelle. And in order to give us an eternal redemption. Hébreux chapitre 9. Hebrews chapter 9. Et il est monté avec ce sang. He then went up with that blood. Et ce sang est encore sur le trône. And that blood is still on the throne. Et quiconque peut se repentir. And anybody et confesser ses péchés. And confess his sin. Ce sang là peut expier ses péchés. That blood can wipe your sins away. Et alors ce jour-là, day, il est monté au ciel, heaven, et il arrive, and when he got il donne l'ordre, verset 7, sur 24, he gave an order, il dit, porte, élevez vos linteaux. Verse 7, il dit, in Psalm 24, lift up your heads, O ye gates, élevez-vous, porte éternelle, and be lift up, que le roi des gloires fasse son entrée. Amen. The everlasting doors and the King of glory. Nous sommes toujours dans l'introduction. We are still in the introduction. Nous parlons du roi. We are talking about the king. Et du royaume. And also the kingdom. Nous l'avons vu sur la terre. We have seen him on earth. Nous l'avons vu discuter avec Pilate. We saw him talking to Pilate. Et du roi. Are you? Il dit, vous l'avez dit. You've said it. Alors ici, and now here, il est là, he's there, il dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. And he said, lift up your heads, O ye gates. Élevez-vous, porte éternelle. And be lift up ye everlasting. Que le roi de gloire fasse son entrée. And the King of glory shall come in. Les anges disent, qui est ce roi de gloire? The angels are asking, où est gardé le roi of glory? Because then they were keeping the king. Alléluia. Amen. L'éternel fort et puissant. Who is this king of glory? The Lord strong and mighty. L'éternel puissant dans le combat. The Lord mighty in battle. Porte, élevez vos linteaux. Lift up your heads, O ye gates. Élevez les portes éternelles. Even lift them up, ye everlasting doors. Que le roi de gloire fasse son entrée. And the King of glory shall come in. Les anges disent, qui est donc ce roi de gloire? And the angel asked, who is this King of glory? Il dit, c'est l'éternel des armées. And he answered, the Lord of hosts. Voilà le roi de gloire. He is the King of glory. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'est-il pas merveilleux? Isn't it wonderful? Est-ce que ce n'est pas clair dans les Écritures? Isn't it clear in the Scripture? Que Dieu du ciel, that the God of heaven, était sur la terre, was on earth, que Jésus-Christ, that Jesus Christ, ce n'était pas un homme qui voulait se faire passer pour Dieu, was not a man who wanted to make mais Jésus-Christ God, était Jesus Dieu fait chair. Jesus was God made flesh. Et que Dieu a toujours été un roi. And that God is always a king. Mais c'était un roi humble parfois. But he's a meek king at times. Et il était sur la terre dans son humilité. And he was down on earth in his humbleness or meekness. Pilate voulait dire quelque chose. And Pilate wanted to say something. Il lui a dit, est-ce qu'on t'a dit ou tu le dis de toi-même? He then asked, is this from yourself or somebody told you? Pilate, donc tu es roi. So which means you are a king then. Mais tu l'as dit. You've said it. Et on a écrit au-dessus. And it was written on his crown. Le roi des Juifs. The king of the Jews. Et les autres disent, non, il faut dire qu'il a dit qu'il others, est le roi des Juifs. Others said, no, no, don't write that, but say, he said, is the king of the Jews. Et Pilate dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit. And Pilate said, what I have said, I've said it. Et quand il était sur la croix, and when he was on the cross, il était écrit là, it was written there, le roi, the king of the Jews. C'était pas qu'on s'est moqué de lui. Il not était roi. They were mocking him. He was the king of the Jews. Alléluia. Amen. Et c'est ça votre roi. And that is your king. Il est l'éternel des armées, fort dans le combat. He Amen. Is the Lord mighty in battle. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He is the same yesterday, today and forever. Et vous appartenez dans un royaume éternel. And you belong to an everlasting kingdom. Vous êtes les enfants d'un roi puissant en combat. You are the children of a mighty king in battle. C'est une réalité, mes bien-aimés. It is a reality, my beloved. Et j'aimerais ce matin vous parler de ce roi. And this morning I would want to talk to you about that king. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et c'est par là que j'ai terminé mon introduction. That's where my introduction finished. Maintenant, je vous demande de vous mettre debout. Now I will ask you to stand up. Et je vais parler sur Éphésiens chapitre 6. And I will go to Ephesians chapter 6. Ma prédication est seulement courte. My sermon is short. Mais l'introduction est longue. But my introduction mais is le bon.
but it's good. Est-ce que vous avez été béni? Amen. Has the Lord been blessed? C'est votre voix. Acknowledge that the Lord is your King. Et maintenant vous voyez, ne soyez pas terrorisés par le royaume dans lequel vous vivez. Now don't be terrorized by the kingdom in which you live. Le Seigneur a voulu que vous sachiez que vous êtes dans un royaume. The Lord wanted you to know that you are in a kingdom. Que vous avez le roi de rois. That you have the King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. He is our Lord Jesus Christ. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Et nous allons. And we are going to read. Et le sujet que j'ai ce matin. And the topic that I want to share. Je peux l'intituler le combat spirituel. I want to call it the spiritual fight. Alléluia. Amen. Nous lisons au verset 3. We read verse 3. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Who has blessed us with all spiritual blessings. Dans le lieu céleste en Christ. In heavenly places in Christ. Amen. Amen. Donc ici nous voyons. We see there. Que nous sommes bénis soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Qui nous a bénis. Who has blessed us. De toute bénédiction spirituelle. With all spiritual blessings. Dans le lieu céleste. In heavenly places in Christ. Donc nous voyons dans cette écriture. We see in this scripture. Que en Christ. That in Christ. Dans le lieu céleste. In heavenly places. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. With all spiritual blessings. L'écriture dit toutes sortes de bénédictions. The scripture says all spiritual blessings. La sanctification. Amen. Sanctification. La bonté. The goodness. La joie. The joy. La patience. The patience. La vie de bon chrétien. The life of a good Christian. Toutes ces bonnes choses sont déjà en Christ. They are already in Christ. Déjà pour nous. Already for us. Dans le lieu céleste. In heavenly places. Alléluia. Amen. Et nous allons incliner nos têtes. And we bow our heads. Merci le Seigneur. We thank the Lord. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Lord. Nous te remercions ce matin. Parce que nous sommes en ta présence, parce que tu nous as bénis, sois blessé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Merci Seigneur. Thank you Lord. Et nous voulons que tu viennes. Là où nous sommes, Seigneur, nous voulons que tu viennes. We want you to come. Mais nous avons compris que tu es là. Understood that you are our King. Tu nous as révélé ces choses. Reveal to us parce que tu nous as aimés avant que nous loved us before the foundation. Il n'y a pas de roi comme toi. There is no king like you. Un roi qui peut a king who can humble himself and yet mighty in battle. Come this morning and bless your people. Use me as your instrument. A useless servant. Just as an instrument to share your word with me. Pray thus in Jesus Christ's name. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute votre bénédiction à l'écriture. May the Lord add the blessings to the reading of His word. Vous pouvez vous asseoir. You may sit down. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. C'est un plaisir. It is a pleasure. Maintenant, l'introduction est finie. Now the introduction is over. Maintenant, nous sommes. Je devrais parler de ça étant dans un royaume. I have to speak about that because I was in a kingdom. Un royaume? A kingdom. J'ai demandé à mon frère, c'est Gina. I was asking Brother Gina. Non, là je parlais à Frère Gaspard. I was talking rather to Brother Gaspard. J'ai dit comment les choses se passent ici. How do things take place here? Il y a la reine. Said there is a queen. Il y a le premier ministre. Then we've got the prime minister. Et je crois au mois de décembre passé, j'étais au Canada. And in December I was in Canada. Et j'ai découvert que le Canada dépend aussi toujours de la reine. Canada depend of the queen here. Alléluia. Amen. C'est pas là en tant qu'un homme de Dieu. And as a man of God. Donc tout ce qu'un homme de Dieu voit, all that a man of God looks or sees, il doit dire la parole de Dieu. He must always speak the word. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je vous disais, je ne connais pas mon introduction. I was saying to myself, I don't know my introduction. Et le Seigneur m'a donné. And the Lord gave me an introduction.
On peut même clôturer, prier et partir. We can even close and pray and go. Parce que nous avons écouté la parole. Because we heard the word. Nous avons démontré qu'il est roi. We've shown that he is the king. Maintenant ici nous voyons. But here we see que nous avons été bénis. That we've been blessed. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Of all kind of spiritual blessings. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ça? But why don't we see them? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours parfois des problèmes parmi les enfants de Dieu? Why are they always problems among God's children? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont encore en difficulté pour qu'on voie ces choses? Why God's children are always in difficulties in order to see these things? Ça sera le sujet ce matin. That will be the topic this morning. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6. Then we go to Ephesians chapter 6. Verset 12. From verse 12. L'Écriture dit, the scripture says, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, for we wrestle not against flesh and blood, mais contre les dominations, but against principalities, contre les autorités, against powers, contre le prince de ce monde des ténèbres, of the darkness of this world, contre les esprits méchants, against spiritual wickedness, dans le lieu céleste, in high places. Alléluia. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, therefore take unto you the whole armor of God, afin de pouvoir résister, that he may be able to dans le mauvais jour, in the evil day, et tenir ferme, and having après avoir tout surmonté, all to stand. Alléluia. Amen. Ici nous voyons Paul enseigner, we see Paul teaching, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, that we don't have to fight against flesh and blood, que nous n'avons pas à voir notre frère, that we don't have to see our brother, que nous n'avons pas, je n'ai pas à voir ma femme, I don't have to see my wife, que la femme n'a pas à voir son mari, that the wife has nothing to see. Mais il dit que nous avons à lutter contre les esprits méchants, but instead we wrestle against evil spirits, contre les dominations, against principalities, et qui sont dans le lieu céleste, which are in heavenly places. Ok. Au chapitre 1, nous avons vu in chapter 1 we saw que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. All spiritual blessings in heavenly places. Dans Ephésiens chapitre 6, and in Ephesians 6, on nous fait voir que faites attention, we are being warned that, mais ne combattez pas avec votre frère, that don't fight against your brother, mais nous avons à lutter, but we have to wrestle, contre les esprits méchants, against evil spirits, contre les dominations, against principalities, contre le prince de ce monde, against the rulers of qui se trouvent dans le lieu céleste, who are in heavenly places. Donc dans le même lieu céleste, meaning in the same heavenly place, il y a toutes nos bénédictions, all our blessings are there, mais nous voyons aussi que dans le même lieu céleste, but we also see that in the same heavenly place, il y a des esprits méchants, there are also wicked spirits, avec lesquels nous devons lutter, with which we need to wrestle against. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Les démons sont dans le lieu céleste ou bien sont en enfer? That mean? Are demons in heavenly places or are they in hell? Ceux qui sont en Afrique disent, ah, les démons sont en Europe. Those who are in Africa, they say, no, demons are in Europe. Ah, les autres, ah non, c'est aux États-Unis. Others say, no, demons are in America. Mais nous, nous croyons seulement ce que la Bible dit. Ah, we only believe what the Bible says. La Bible nous dit, the Bible says, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, we don't have to wrestle against flesh and blood. Nous avons à lutter contre les dominations. But we have to wrestle against dominion, contre les esprits méchants, against evil spirits, et qui sont dans le lieu céleste, which are in heavenly places. Bien aimé, ça c'est la vérité de la Bible. Amen. This is the truth of the Bible. Qu'il y a des démons qui existent. That there are demons that exist. Et les démons sont méchants. And those demons are wicked. Ces démons possèdent des gens. And those demons, they possess people. Alléluia. Amen. Et ils exercent leur influence à partir de lieux célestes. And they exercise their influence from heavenly places. Et ils disputent nos bénédictions. And they are fighting for our blessings. C'est eux qui font que le frère dans l'église se pointe le doigt. It's them who cause the brothers in the church to point fingers at each other. Ce sont ces démons qui font que une fille de Dieu, une femme, au lieu d'être une femme soumise, elle commence à faire tête à son mari. It's those demons that cause women, instead of being obedient to the husband, they make them behave. Ce sont ces démons-là. It's those demons. Ce sont eux qui font que au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu dors à l'église. They cause people, instead of hearing the word, you start sleeping in the church. C'est eux qui font que au lieu de prier, tu trouves des excuses. Oh, je suis fatigué. It's those demons, instead of you praying, you start finding excuses. I'm tired. Donc nous sommes tous engagés dans un combat spirituel. It means all of us are engaged in a spiritual battle. Parce que l'Écriture nous dit, because the scripture says, car nous n'avons pas à lutter, for we wrestle not
On ne lutte pas en dormant. You don't wrestle in sleeping. On lutte en résistant. C'est une lutte. Wrestling when you are resisting. Alléluia. Amen. Ah, donc nous sommes dans un combat spirituel. It means we are in a spiritual battle. Où chaque homme, where every man, chaque enfant de Dieu, every child of God, grand ou petit, young or old, doit savoir comment prendre des armes et combattre. They must know how to take the weapons and fight. Le pasteur ne va pas combattre à votre place. No, the pastor will not fight on your behalf. Vous devez croire vous-même. You must believe yourself. Dans votre vie. In your life. Dans vos problèmes. In your problems. Vous prendre les armes de Dieu. In order to take the ammunition. Et combattre contre ces esprits. And fight against those spirits. C'est-à-dire, mais le Seigneur est mort. Yet the Lord died. Et il a vaincu. And overcame. Tous les démons. All the demons. Mais comment encore ils existent? But now why they are still existing? Oui, parce que les démons ne sont pas encore dans leur destination finale. Yes, it's because the demons are not yet in their final destination. Alléluia. Amen. Ils ont été vaincus. They were overcome. Mais ils sont rusés. But yet they are cunning, they are wicked. Mais ils ont été dépouillés. They've been taken. Their power has been taken off. Amen. Et nous le voyons dans Colossiens chapitre 2. We see that written in Colossians chapter 2. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici. We see. Et que le verset 14, Colossiens 2, Colossians 2, que notre Seigneur, that our Lord, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, et qui subsistait contre nous, which was contrary to us, et il a éliminé en le clouant à la croix, and took it out of the way, nailing it to the cross. Donc ce grand roi là, meaning that great king, est descendu, came down. Et il a éliminé l'acte qui nous condamnait. He then blotted out the ordinance that condemned us. Et si vous ne connaissez pas ça, and if you don't know that, les démons vont vous prendre au piège. The demon will take you captive. Alléluia. Amen. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ, croyez que believe vos that péchés your sins ont été pardonnés. Were blotted out. Et que l'acte qui vous condamnait, the act that was a été déchiré. It was destroyed. Et que l'ennemi, that the enemy, n'a plus le droit, has no more power, pour venir vous accuser, to come and accuse you. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas ça, if you don't know that, vous allez trembler. You'll be trembling. Alléluia. Amen. Alors il continue, il dit, now he continues saying, au verset 15, on verse 15, il a dépouillé, and having spoiled, les dominations, principalities. Nous avons vu dans Ephésiens 6 là-bas. We've seen in Ephesians 6 que nous avons à lutter contre les dominations. That we have to fight against principalities. Ce sont des esprits qui dominent sur les gens. The spirit that come to rule over people. Quelqu'un est dominé par la bière. Somebody is really overcome by beer. Quelqu'un est dominé par la cigarette. Somebody is overcome by cigarettes. Quelqu'un est dominé par l'orgueil. Somebody is overcome by pride. Quelqu'un est dominé par l'impudicité. Somebody is overcome by fornication. Ne soyez dominé par rien. Don't amen, be amen, overcome by any of those. Parce que ce sont des démons. Because those are demons. Si vous voyez que votre smartphone commence à vous prendre, vous ne savez plus, c'est le smartphone qui vous contrôle. If ce sont les dominations. Realize that your smartphone is the one ruling of ce sont ces esprits là. It is that spirit. Alléluia. Amen. Mais Christ est venu, but Christ came, pour nous libérer, to set us free. Et il a dépouillé ces dominations. And he destroyed those dominions. Ces dominations n'ont plus de munitions. They do no longer have the ammunition. Et nous allons le voir. And we'll see that. Alors vous voyez, can le verset 15, verse 15, il a dépouillé les dominations, and having spoiled principalities, et les autorités, and powers. Et c'est ce que Paul dit dans Ephésiens 6. That's what Paul wrote in Ephesians 6. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. We don't wrestle against flesh and blood. Mais nous avons à lutter contre les dominations. But against principalities. Contre les autorités. And powers. Alléluia. Amen. Peut-être vous ne me rappelez plus. Rentrons encore dans Ephésiens 6. Mais gardez la main sur Colossiens 2. Keep Colossians, maybe you have forgotten about that. Nous relisons. We read j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne ça. Amen. Amen. Alors, il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 12, for we wrestle not against flesh and blood, mais contre les dominations, but against principalities, contre les autorités, against powers,
contre le prince de ce monde des ténèbres, against the rulers of the darkness of this world, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, against the spiritual wickedness in high places. Alléluia. Amen. Donc il y a les dominations, so there are principalities, il y a les autorités, there are powers. Les démons sont pas vos amis. Demons are not your friend. Faut pas jouer avec les démons. Don't play with demons. Alléluia. Amen. Si vous jouez avec les démons, if you play with demons, l'écriture les décrit comme les dominations. The scripture describes them as principalities. Et quand un homme est dominé par les démons, and when somebody is really overcome by demons, quand une sœur est dominée par des démons, when a sister is overcome by demons, oh, c'est un problème. It's a serious problem. Et ces démons sont encore en circulation. And those demons, they are still in circulation. Bien que vous avez cru, though you have believed, bien que vous venez à l'église, though you come to church, mais ces démons exercent encore leur influence. But those demons, they still exercise their influence from heavenly places. Et chaque enfant de Dieu, and every child of God, doit se mettre debout, must stand up, et être engagé dans un combat spirituel, and be engaged in a spiritual battle. C'est ce que Paul nous invite ici. That's what Paul is calling us to. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. That we are to wrestle not against flesh and blood. Mais nous avons à lutter contre ces dominations, contre ces démons. To wrestle against principalities and those demons. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Alors vous avez vu ici qu'il y a les dominations. As you've seen here in Ephesians, there are principalities. Contre les autorités. There are also powers. Des princes de ce monde. And rulers of the darkness. Et on le décrit des esprits méchants. And also spiritual wickedness. Mais maintenant rentrons dans Colossiens chapitre 2. In Colossians chapter 2. Le verset 15. Verse 15. Nous voyons que notre Seigneur, we see that our Lord, il a dépouillé les dominations. Amen. Alléluia. Having spoiled the principalities et les autorités and powers, et il les a livrés publiquement en spectacle, he made a show of them openly, en triomphant d'elles par la croix, triumphing over them in it. Alléluia. Amen. Peut-être vous n'avez pas encore saisi. Amen. Amen. Understood that. Notre Seigneur, our Lord, qui est le roi, who is the king, puissant en combat, mighty in battle, ce jour-là à la croix, that day on Calvary, tous les démons, all the demons, même celui qui te dérange ce matin, even they want tormenting you right now. Et dis, oh, en tout cas, moi je suis faible, priez. Ce sont des démons. Pray for me. Those are demons. Amen. Alléluia. Amen. Tous les démons étaient réunis. All the demons came together. Et notre Seigneur, and our Lord, n'a pas gagné comme si on hésitait. Did not overcome. Il a triomphé. The Lord triumphed over them. Alléluia. Amen. Et nous allons le relire encore. And we'll read pour que les démons ils soient ici. So that those demons who are sitting pour here, que les démons l'entendent. So that they can hear it. Nous allons relire encore. We'll read it. Le verset 15, il a dépouillé les dominations, and having spoiled the principalities, et les autorités, and powers, et les a livrés publiquement en spectacle, made a show of them openly, en triomphant d'elles par la croix. Triumphing over them by the cross. Le Seigneur a triomphé. Our Lord triumphed over them. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? A triomphé. Our Lord has triumphed contre tous les démons. Over all the demons. Tous les démons qui te dérangent. All the demons that torment you. Vous sortirez ici sachant que you il a triomphé. Walk out of here knowing the Lord triumphed. Est-ce que nous pouvons encore l'applaudir? Can we clap again? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je fais ça pour que vous ne puissiez pas oublier. So that you should not forget. Parce que je peux parler de beaucoup de choses. I can say many things. Mais vous allez seulement vous rappeler. You will remember one. Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Que nous avions même applaudi. Que le Seigneur avait triomphé. Amen. Donc ce soir, si les démons viennent, tonight if the demons si come, les autorités viennent, if the principalities come, vous pouvez vous. You can you. Parler à ces démons, tell those demons, leur dire que tell them, nous avions applaudi le triomphe de notre Seigneur, clap for the triumph of our Lord, et vous avez reçu le pouvoir, and you have received the power. Ah, peut-être vous ne le savez pas. Maybe you don't know. Nous allons le lire. We will read dans Luc chapitre 10. In Luke chapter 10. Lisez maintenant. Luke. Bien aimé, venez le combat en main. Take the battle in your Luc chapitre 10, Luke chapter 10, le verset 19, verse 19, nous lisons la parole de Dieu. We read the word. Luke 10, 19. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Here is the Lord Jesus Christ. Il a triomphé. Amen. Mais regarde ce qu'il vous donne. But look what he gives you. Le verset 19.
Verse 19. Voici. Behold, je vous ai donné. I give unto you le pouvoir. Power. Alléluia. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. I give unto you power de marcher sur les serpents. To tread on serpents. Et les scorpions. And scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Over all the power of the enemy. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Any means hurt you. Oh, je le prends. Peut-être que vous n'avez pas compris. I will repeat. Le verset 19. Verse 19. Voici. Behold. Je vous ai donné. I give unto you. Le pouvoir. Amen. Power. De marcher sur les serpents, to tread on serpents et les scorpions, and scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, and over all the power of the enemy, et rien ne pourra vous nuire. C'est votre pouvoir ce matin. It is your power this morning. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir. You have the power de marcher sur la puissance de l'ennemi, to tread upon the power of the enemy. Parce que déjà votre roi, because already your king, Jésus Christ, Jesus Christ, a vaincu, il a triomphé. And we did clap for him. Et sa victoire, c'est notre victoire. Is our victory. Mais si vous ne le savez pas, but if you don't know, les dominations viendront. The principalities will come. Toi, une sœur. You, a sister. Tu as un boyfriend. You've got a boyfriend. Non, il n'y a rien de tel dans la Bible. There is no such in the Bible. La Bible dit, the Bible says, que les jeunes filles, that the young se préoccupent des choses, should worry de manière à plaire à leur Seigneur, on how to please their Lord, leur pureté, and to keep their purity. Alléluia. Amen. Mais là, dis, oh, c'est plus fort que moi. But non. Si tu es une croyante. Believer, il faut dire à ces démons, il faut dire à ces garçons qui te dérangent, ça tu as des démons. You've got demons. Alléluia. Amen. Parce que, by the way, Dieu a donné trois vertus à une sœur. God has given three virtues to a young lady. La virginité. Virginity. La maternité. Maternity. Et la féminité. And femininity. Chaque fille qui vient au monde, every young lady that comes on earth, a ce package. C'est ça. Has that package. C'est pour vous protéger. It's to protect you. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, because God, vous a créé pour un seul homme. Created you for one man. Alléluia. Amen. Dieu veut que vous soyez la femme de cet homme. And God wants you to be the wife of that one man. Mais regarde les autorités de domination. But look at the principalities and the rulers. They come. Ils détruisent. C'est une vertu. It is a virtue. They come and destroy. Mais vous savez quoi? And now you know. Je dis toujours aux jeunes sœurs. I say this to young sisters. Si tu as déjà perdu cette vertu, if you've already lost that virtue, demande pardon au Seigneur. Ask forgiveness to the Lord. Cry. Le Seigneur te pardonne. Amen. Lord to forgive you. Mais si tu l'as encore, but if you still have it, garde ça. Amen. Keep it. Ça sera un bon cadeau pour ton mari. It's a good present to your husband. Qui te fera beaucoup respecter. Who will cause him to respect you more? Bon. Celui qui l'a perdu, the one who has lost it, vous, de toutes les façons, oh, Dieu laisse les Dieu. God bless God. Une fille qui perd sa virginité, a girl who loses her virginity, doit d'une manière ou d'une autre un jour donner des explications à son mari. Must by all means one day to give an explanation to the husband. Tu dois répondre. You must answer. Maintenant l'homme de ta vie est là. Now the man of your life comes. L'homme de ta vie. The man of your life. Et tu l'as plus. And you don't have it. Il va te demander ça. He will ask you, where has it gone? Ce sont les démons qui trompent les gens. It's the demons that deceive people. Alléluia. Amen. Tu dois dire. Because you must say. Maintenant l'homme de ta vie est là. Now the man of your life comes. C'est lui l'homme de ta vie. Is the man of your life. Mais il sera le dernier. And yet he will be the last. Au lieu qu'il soit le premier. Instead of him being the first. Où est mon package? Where is my package? Dieu t'avait créé pour moi. God made you for me, created you for me. Quand j'avais 10 ans, when I was 10 years, tu dois répondre. You must answer. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Mais nous savons qu'à Sodome et Gomorrah, and we know in Sodom and Gomorrah, il y avait une pourriture terrible. There was a corruption. Mais Lot, but yet Lot, quand les gens sont venus, ces homosexuels, when those homosexuals came, Lot a dit, Lot said, ne faites rien à ces hommes. Don't do anything to these mais men. Mais voici, j'ai avec moi. But behold, I've got two daughters qui n'ont pas encore connu d'homme. Who amen. Have never known any man. Oh. Amen. C'était amen. Une génération pourrie que celle-ci. It was a corrupted generation just like mais this. Mais il y one. Avait deux filles vierges. And yet at that time there were two virgin girls. Donc, tu
n'auras pas d'excuse. So you will have no excuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici maintenant notre Seigneur. Now see our Lord. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. I have given you the power. De marcher sur les serpents. To tread on serpents. Et sur la puissance de l'ennemi. And over all the power of the enemy. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. We are the children of God. Et nous avons le pouvoir. And we have the power. De chasser les démons. To cast out demons. Marc chapitre 16. Mark 16. Regarde ce que l'écriture dit. Look what the scripture says. Les démons, on ne joue pas avec eux. We don't play with demons. On les chasse. Amen. We cast them out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et ça, c'est ce que je veux vous rappeler ce matin. That's what I want to remind you this morning. Parce que beaucoup de gens croient que c'est pour les pentecôtistes. Because many people think non, this is for Pentecostals. C'est pour les enfants de Dieu. No, this is for children of God. Alléluia. Amen. Non, non, nous, nous c'est seulement le message, hein, nous, la parole. Ah, c'est seulement le message, the word. Mais les démons te jouent. And the people are dancing with you. C'est pour nous ces choses. These are for us. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16. Marc 16. Nous lisons ceci. We read. Le verset 15. Verse 15. C'est l'ordre de mission. This is the commission. Puis il leur dit. And he said unto them, allez par tout le monde, go into all the world, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. And preach the gospel to every creature. Alléluia. Amen. Ça c'est la commission. This is the commission. On a donné à ceux qui prêchent. To those who preach. Et dès que je quitte les frontières de mon pays, once I go out of my border, je dois avoir la commission. L'ordre de mission. I must have a commission. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Which is to preach the word. La bonne nouvelle c'est quoi? What is the good c'est news? Que Dieu est venu en chair. Is that God came in flesh? Il est mort pour tes péchés. And died for your sin. Alléluia. Amen. Il a été brisé pour tes iniquités. He was bruised for your iniquity. Si tu confesses, si tu te repens, if you repent, si tu lui demandes pardon, if you ask for forgiveness, il te pardonne. He will forgive you. C'est pourquoi il a dit dans Luc 24, that's why he said que la repentance that to repent et le pardon de péché forgiveness of sin seront prêchés will be preached en mon nom. In his name. Nous prêchons de manière we preach in a way afin que vous puissiez vous repentir, so that you may repent. Vous puissiez regretter votre vie passée sans la parole de Dieu. For your life you've lived without the mais aussi word. Nous prêchons que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que vos péchés sont pardonnés. Quel que soit le péché que tu avais fait, of the sins you si tu crois à l'œuvre de Golgotha, if you believe in the work of Calvary, cela est jeté dans la mer de l'oubli. That will be thrown in the sea of forgetfulness. Alléluia. Amen. Et voilà la commission. This is the commission. Puis il leur dit le verset 15, verse 15. Allez par tout le monde and he said unto et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Into all the world and preach the gospel of celui qui croira. He that believeth, et qui sera baptisé and is baptized, sera sauvé. Shall be saved. Mais celui qui ne croira pas and he that believeth, sera condamné. Shall be damned. Alléluia. Amen. Et il continue. And he continues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. His signs shall follow them that believe. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. He did not say these are the signs that will follow the preacher. Voici les miracles. He says qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Shall follow them that believe. Ceux qui auront cru quoi? Believe what? William Branham? No. William Branham. Ceux qui auront cru, those who will believe. La bonne nouvelle. Amen. The gospel of the Christ. Si je vous en allez prêcher la bonne nouvelle. Amen. And preach the gospel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est clair. It's clear. Alors quand vous prêchez cette bonne nouvelle, when you preach the gospel, et ceux qui auront cru, those who will believe, pas seulement croire, not only believe, et se faire baptiser, and be baptized, amen. Ceux qui auront cru, those who believe, et qui seront baptisés, and be baptized, seront sauvés, amen. 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 Mais ceux qui ne croiront pas, those who won't believe, seront condamnés, they will be condemned. Et maintenant il dit, now he says, pour ceux qui croient, for those who believe, et je crois que vous êtes des croyants, amen. 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 Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, and this sign shall follow them that believe. À mon nom. In my name. Ils chasseront les démons. Amen. They cast out devils. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Un jour j'étais à l'église. One day I was in the church. Et le frère qui faisait la technique, the brother who used to do the instrument, la respiration commençait à disparaître. And then the breathing started disappearing. Il est allé dans la salle à côté. And he went in the hall next door. Et puis le diacre est venu vite. And the deacon came quickly. Il dit pasteur. Pasteur. You must come quick because the brother you need to be prayed for. Et on suivait la prédication de Frère Franck. We were following Brother Frank's preaching. Et j'ai seulement parlé aux démons. And then I just spoke to et je les ai chassés. And I cast them out in the name of Jesus Christ. Et puis je suis rentré. And I came back
to follow the preaching. Et puis, and after, après la réunion, after the meeting, le frère était en bonne santé. Amen. In good health. Et puis j'ai donné le témoignage. And then I gave the testimony. Et j'ai profité pour corriger quelque chose. And then I took the opportunity to correct something. J'ai dit, la Bible me dit. Vous voyez votre frère en train de se faire. You are there, you see your brother is almost collapsed. Vous allez chercher le pasteur. And then you go to seek the pastor. C'est contraire à l'écriture. I said that is contrary. Si vous êtes croyant, if you are a believer, vous imposez les mains. Lay hands on vous dites, vous les démons. Say you demons. Vous avez été vaincu. You've been overcome. Et j'ai reçu le pouvoir. And I received the power. Et vous imposerez les mains et on chasserait les démons au nom de Jésus. And cast out the demons in the name of Jesus Christ. Ceux qui auront cru, those who will believe, femme comme homme, man or woman, alléluia, amen. Amen. Maman, vous êtes à la maison, mother, you are at home, l'enfant est malade, the child is sick, il faut pas seulement le pasteur, non non non, pastor. Si vous êtes croyant, if you are a believer, vous avez reçu aussi le pouvoir, you also receive the power, vous imposez d'abord les mains, first, et vous chassez les démons, cast out the demon, à mon nom, in my name, ils chasseront les démons, they will cast out demons, alléluia, amen. Amen. Même un mari, even a husband, tu vois que les démons te dérangent. You see that ma femme c'est une croyante. Ma soeur viens. Say, my wife, come. Impose-moi les mains. Chasse ces démons. Ils partiront. They will go. Le message du temps de la fin. End time message. Et d'un retour à la parole. Return to the word. Retour au commencement. Return to the beginning. Retour à la puissance de Return Dieu. Return to the power of God. Retour à la crainte. Return to the fear. Retour aux mêmes manifestations. Return to the same manifestation. Alors je veux bien dire la bonne nouvelle au peuple de Now Dieu. I want to say the good news to the people of God. Et cette bonne nouvelle c'est celle-là. And this is the good news. Que notre Dieu c'est un droit éternel. That our God is an everlasting King. Mais il est descendu. Yet he came down. Et il nous a donné le pouvoir. And gave us the power. De marcher sur le pouvoir de l'ennemi. To tread upon the power of the enemy. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et We le sang. Do not wrestle against flesh and blood. C'est pourquoi il nous a donné des règles. That's why he has given us guidance. Et nous pouvons aller dans Matthieu 18. And we can go straight in Matthew 18. Et nous devons savoir comment vivre dans la maison de Dieu. And we must know how to live in the house of God. Je vous avais déjà promis que j'ai lu beaucoup d'écritures quand je prêche. I warned you that I read a lot of scriptures when I preach. Parce que je crois qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Because I mean that the word must be preached. Matthieu 18, le verset 15. Matthew 18, verse 15. Si ton frère a péché, moreover, if thy brother, maintenant que nous connaissons comment les démons opèrent, now that we know how demons operate, nous n'avons pas, ne voyez pas votre frère. Don't see your brother. Alléluia. Amen. C'est pas correct. It's not right. Ce sont des démons. It's demons. On n'a pas le droit de parler en mal d'un frère. We are not entitled to speak evil of a brother. On doit prier pour le frère. We must pray for the brother. Amen. Mais quand Paul dit, ne combattez pas la chair et le Paul sang de l'homme. Don't wrestle against flesh and blood. That means men. Ce sont des démons. Those are demons. Toi aussi qui as des démons. And you also are demons. Que Dieu t'aide à reconnaître que frère, j'ai des démons. May the Lord also help you to acknowledge that brother, I've got demons. Frère, prie pour moi, frère. Please pray for me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'écriture continue. And the scripture continue. Il dit le verset 15, verse 15. Si ton frère a péché, moreover, if thy brother shall trespass again, va et reprends-le entre toi et lui seul. Go and Amen. Tell him his fault between thee and him alone. Ça c'est le guideline. These are the guidelines. Ton frère a péché. Your brother has trespassed against you. Ce n'est pas aller sur Facebook. It doesn't say go on Facebook. Aller sur WhatsApp. Go on WhatsApp. Et prendre le téléphone. And take your phone. Non, 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 non. No. Toi, tu as la responsabilité. You have the responsibility. Tu dois avoir beaucoup d'amour dans ton cœur. You must have a lot of love in your heart. Va et toi seul. Il y a le mot seul. Go and see your brother alone. Alone. Alléluia. Amen. C'est pas d'abord, tu parles d'abord à ta femme. Not first you talk to your wife. Et puis tu vas voir le frère. Alors, tu as déjà brisé la loi. No, you've already broken the word. Alléluia. Amen. Va, toi et toi seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. C'est comme ça dans notre royaume là. That's how in our kingdom things are done. Ce sont les lois de notre royaume. These are the guidance in the kingdom. Nous devons garder ça. We must keep this. Chaque pays a ses règles. Every country has its own rules. Dans mon pays, on roule à droite.
In my country, they drive on the right-hand side. Quand je viens ici, je vois rouler à gauche. When I come here, I saw you drive on the left. Ce sont vos lois. These are your laws. Mais nous, nous sommes dans un royaume. But we are in a kingdom. Où nous avons décrit notre roi. Where we have described our king. Et c'est notre roi qui enseigne ici. And here, it is our king who's teaching. Ton frère a péché. Your brother has trespassed against you. Et toi seul. You go to see him, you alone. Tu lui parles, mon frère. You speak to him. Ce que tu fais n'est pas conforme à la loi. What you are doing is not in the light of the word. S'il t'écoute, if he listens to tu you, as gagné ton frère. You've gained your brother. Le verset 7. Mais s'il ne t'écoute pas, but if he will not hear thee, prends avec toi une ou deux personnes, then take with thee one or two more, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. That in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. La loi des témoins. The law of witnesses. C'est depuis l'Ancien Testament. It's already Amen. From the Old Testament. Alléluia. Amen. À deux, ça ne marche pas. Between the two of you, it didn't work. Il faut pas dire, ah lui, il ne veut pas écouter. Non, don't non, say, non, him, he doesn't want to listen. No, what does the law say? Suivant? What is the next article? Tu pries. You pray. Tu cherches deux ou you trois. Then go and find the two or three more people. Ce sont des personnes, those are people qui ont une influence sur la personne. Who have at least some influence on the belief on this person you have an issue with. Mais frère Willy a péché. Brother William has sinned. Tu sais que frère Willy et frère Gina ne s'entendent même pas bien. You know that brother William and brother Gina don't get along well. Toi l'écriture, tu vas chercher frère Gina. And mais ils s'entendent pas déjà. You go, you take brother Gina. Yet you know they don't get along well. Tu cherches quelqu'un qui peut avoir de l'influence. You need to go and find somebody who might have an influence. Tu dis, ah, je vais prendre Frère Bertin aux États-Unis. Maybe I will call Brother Bertin from America. Ah, Frère Willy. Then Brother William will be there morning. Frère Willy, j'ai appris que Brother William, I've learned this and that. S'il a de l'estime pour moi, if he has some consideration for me, il aura honte. He will be ashamed. Et puis, ça va marcher. And then it will work. Est-ce que vous comprenez? Amen. Understand. Amen. Ce sont les règles de notre These royaume. Are the guidance of our kingdom. Mais derrière ça, and yet behind that, there is love. C'est toujours pour gagner votre Amen. Frère. It's done so that you can win your brother. Mais derrière les calomnies, but behind the domination, c'est pour détruire votre frère. Hidden behind, Amen. It's in order to destroy your brother. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant le verset 10. S'il ne refuse de les écouter, dis-les à l'église. Verset 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, but if he neglects to hear the qu'il church, soit pour toi comme un païen. Let him be unto thee as a heathen. Regardez le pouvoir encore de l'église. Men and Republican, as you can see the je power of the church. En vérité, on verse 18, tout ce que vous lierez sur la terre, verily, verily, I say unto you, sera lié dans le ciel. And whatever you shall bind on et tout ce que vous lierez sur la terre, and whatever you shall lose, sera délié dans le ciel. Shall be loose in heaven. Si vous marchez mal dans l'église, if you don't walk right in the church, the pastor peut engager l'église, can engage the church, et on vous jette entre les mains du diable. And you can be put in the hand of the devil. Et si l'église vous lie, and when the church binds you, vous serez lié. You will be bound. Alléluia. Amen. C'est un pouvoir encore. It is Amen. A power there. C'est écrit. It is written. Craignons Dieu. Fear God. Respectons la parole de Dieu. Let's Amen. Respect God's word. Respectons l'ordre dans l'église. Let's Amen. Respect the order of God in the church. Alors vous voyez, you see, comment toute chose est claire. How everything is clear. Deutéronome chapitre 19. Deutéronome 19. Nous allons arriver. Few verses and then. Deutéronome, vite vite là. Deutéronome 19. C'est la loi de Dieu de Dieu longtemps. We'll see that it is the law of God from the Old Testament. Quand il y a un problème, when there is a problem, nous avons vu dans Jérémie 1 que Dieu ne veille que sur sa parole. We have seen in Jeremiah that God watches only over His word. Dieu ne voit pas les choses comme nous le voyons. God does not see things the way we see them. Et au moins je vois que Dieu n'a rien à faire de ce que toi tu vois. No, God has nothing to do with what you feel. Et moi je sens que, oh me, I feel like. Ça n'a rien à voir. It has got nothing ça to doit do. Être qu'est-ce que la Bible dit. But instead, what does the Bible say? Le verset 15. Verse 15. La Bible dit ceci. Deutéronome 19:15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin.
Alléluia. Amen. Un seul témoin. One witness. Un témoin, c'est celui qui a vu. A witness is somebody who saw. Pas celui qui a entendu. Not the one who heard. Tu es témoin, tu as vu. You are a witness, you have seen. Mais tu es seulement seul. And yet you are alone. Ça ne compte pas dans la loi de Dieu. In before God, that would not count. Alléluia. Amen. Amen. Voyez comment Dieu est. Can you see how God is? Un seul. Tu as one, vu, frère. Je l'ai surpris, j'ai vu. I caught him. Bon, frère, tu étais seul. Tu n'es qu'un seul. You were alone. You are the only witness. Alléluia. Amen. Donc, frère, on n'a rien à faire. Brother, il faut deux. We can't do anything. Why? Because we need at least two. C'était witnesses. Comme ça en Israël. That's how it was in Israel. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, one witness, quel qu'il soit. One witness shall not rise up against Amen. A man for any iniquity. Oh, il a fait. Oh, he did. Tu n'étais pas là. You were not tu n'as pas vu. Même si tu étais là, si tu étais seul, c'est nul. If you were there and you were the only person, it doesn't matter. Vous voyez? You see? Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. It's not as easy as you may think. Toi, tu as vu, va seulement prier pour le frère. You, you have seen and you are alone. Go and pray for the brother. Où va le voir? So go and see him as the scripture says. Un fait ne pourra s'établir for any sin, in any sin that is sinned, que sur la déposition de deux ou de trois témoins. At the mouth of two or at the mouth of three witnesses shall the matter be established. Alléluia. Amen. Vous pouvez peut-être croire que le pasteur lit l'Ancien Testament. One my wonder. Donc, all the pastors read the Old Testament. Let's go to 1 Timothy. Et vous allez comprendre ce que Paul disait à Timothée. Then you will understand what Paul. Qu'il lisait Deutéronome ici. You will see that Paul was also reading Deutéronome. Nous croyons toute la Bible. We believe in the entire Bible. Amen. Regarde ici. 1 Timothée 5, le verset 19. Verse 19, 1 Timothy 5, 19. Il disait à Timothée, fais attention. He was telling Timothy, et cela est valable encore aujourd'hui. This is valid even today. Pour tout homme et pour tout enfant de Dieu. For every person or every child of il God. Il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Against an elder, receive not an accusation. Pourquoi? Why? C'est très facile d'accuser les anciens. Because it is easy to accuse elders. C'est très facile d'accuser cet homme. It is easy to c'est accuse this man. C'est tout ce que le diable cherche. That's all the devil is after. Alléluia. Amen. Et vous les enfants de Dieu, vous devez le savoir. And you, the children of God, must know. Alors il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Against an elder, receive not an accusation. Si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Amen. Before two or three witnesses. Pas un seul témoin. Not one witness. C'est toute la loi. C'est ça. The entire law. C'est dans toute la Bible. It's in the entire Bible. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 1. 2 Corinthiens 13, verset 1. Vous allez voir, c'est la même pensée. You can see that it is the same thought. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 1. Je vais chez vous pour la troisième fois. This is the third time I am coming to you. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established. Ça sera comme ça. It will be that way. Et il en sera comme ça. Il en était comme ça. It was like that and it will always be like that. Dans notre royaume. In our kingdom. Amen. Non frère, et tu sais quoi? Oh, vous êtes à côté de la parole. No, you are out of the word. Frère, tu as vu? Brother, you have oui, seen. Oui, j'ai vu. Yes, I've seen. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Was there someone else? Non, pas seul. J'ai vu. No, brother, but I saw the sister, brother. Ok, l'écriture dit, the scripture says there must be at least two witnesses. Et frère Branham enseigne que les deux témoins ne sont pas les gens qui se sont d'abord entendus. And brother Branham teaches that those two witnesses they must not be people who talk to each other. Ou alors c'est un complot. Otherwise it is a plot. Alléluia. Amen. Et nous devons lire Galates chapitre 6. And we must read Galatians chapter 6. Vous allez voir. You will see. Comme ça, nous connaissons comment les démons agissent. And then we will know et how on les met dehors seulement avec la parole. Operate and then we'll kick them out Galates only with the word. Frère, verset 1. Verset 1. Galatians 6, 1. Si un homme vient à être surpris en faute,
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ce n'est pas que vous avez appris. It's not that you have heard. Donc vous l'avez surpris. No, but it says you've overtaken them. Il faut bien lire la Bible. You've surprised, you've found them. Alléluia. Amen. Si un homme a été surpris en faute, if a man be overtaken in a fault, vous qui êtes spirituel, ye which are spiritual, redressez-le avec méchanceté. Non. Restore such an one with wickedness. Redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. But restore such an one in the spirit of meekness. Prends garde à toi-même, considering thyself, de peur que tu ne sois aussi tenté. Lest thou also be tempted. Alléluia. Amen. Pendant que tu as vu le péché de ton frère, while you have seen the sin of your brother, you yourself, les dominations sont derrière toi. Because the dominions of the devil are already there. Tu peux pécher plus que celui-là. You can sin more than that person. Tu vas parler, tu ne sauras plus te repentir. You will go and backbite and fail to repent. Tu ne seras plus récupéré ce que tu as dit. You will not be able to take back what you have said. Le verset dit, portez le fardeau les uns les autres. Bear ye one another's burden. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. And so fulfill the law of Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, for if a man think himself to be something, quoi qu'il soit rien, then he is nothing. Il s'abuse lui-même. Himself. Que chacun, but let examine ses propres œuvres. Every man prove his own work. Pas les œuvres de l'autre. Not the work of another ses person. Ses propres œuvres. Your own work. Et alors il aura sujet de se glorifier. And then shall he pour lui seul, rejoicing in et himself, non pas à rapport à autrui. Alone and not in another. Car chacun, for every man, portera sa propre charge. Shall bear his own burden. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Love God's word. Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Amen. As the Lord spoken to you. Amen. Let us all stand.